avec Jérôme Rotten ce soir, avec Daniel Riolo, avec William Gallas. L'after est là jusqu'à 1h du matin, donc sur RMC, sur BFM Sport, exceptionnellement sur SFR Sport 1. Fred Hermel, je vous le signale, arrive aux alentours de minuit 5, minuit 10. On me demande sur le hashtag RMC Live, où est Fred? Il arrive, vous en faites pas. Il arrive, là. Dans quelques minutes. Alors, il va nous parler du match de Benzema. Daniel, tu devais nous dire l'analyse, nous donner l'analyse de Sacchi, oui. Qui est un consultant désormais de qualité de la télé italienne. Ah bah, de qualité, c'est le meilleur même. Le Real a affronté un adversaire très faible. Le PSG est un groupe de joueurs. La parole « jeu », entre guillemets, peut paraître abstraite, difficile à décrire, mais elle a fait toute la différence ce soir. Les idées, ça ne s'achète pas. Et il a ajouté au sujet d'Emery. Emery est un très bon entraîneur, il n'est pas devenu nul. Il faut juste un club derrière lui, et surtout que les joueurs suivent ses idées. Les joueurs ne suivront pas ses idées puisqu'il va partir, mais la suite de sa carrière, je la suivrai de près. À Emery ? Dans un autre club. Si. Franchement, je pense qu'il est, quand même très optimiste sur Emery, du moins par rapport à ce qu'il dit. Non, écoute, il a quand même gagné 3 coupes d'Europe. Je pense que c'est rien. C'est pas rien, je veux dire. Je pense que ailleurs, Daniel, dans un autre club, on entendra encore parler de lui. Plus en tout cas que celui qui était là avant, dont on n'a plus jamais entendu parler. Est-ce que le costume du Paris Saint-Germain était fort trop possible grand pour lui? Mais le costume du Paris Saint-Germain, encore une fois, il ne peut être endossé par quiconque entraîneur, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éventualité d'un jour voir Guardiola, il ne peut être endossé que si... Non, mais on est d'accord. Sur mesure, et te disent, maintenant va bosser. Sauf qu'au PSG, c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, on met le costume aux joueurs, on les habille, on les coiffe, on les laque, comme Jérôme qui met de la laque, et après, l'entraîneur, il passe après. Ouais, mais ça veut dire, qu'il faut qu'il y ait un entraîneur... Ça se fait plus, la laque. Il faut qu'il y ait un entraîneur qui a gagné quand même la Champions League. Ouais, mais c'est pas, on a quand même eu, excuse-moi, mais ça existe quand même, les clubs où un entraîneur est venu sans l'avoir gagné et l'a gagné. Comme c'est même plus fréquent que l'inverse. Bah, Zidane, il n'avait pas gagné, il est arrivé. Attends, là, l'exemple de Zinedine Zidane. L'Italien qui a gagné avec Chelsea, là. Bah, Di Matteo. Di Matteo, ça colle dans ton exemple. Parce que là, Non. Thiago Silva s'exprime, on va y aller. Il y en a beaucoup des mecs qui n'avaient pas gagné avant de gagner. Daniel, quand même, s'il te plaît, écoute le capitaine. C'est difficile, c'est un moment très, très dur pour nous. En quoi on a élimination, c'est frustrant, mais on doit continuer, même si c'est difficile d'élever la tête et d'être positif, mais il faut continuer. C'est la vie, c'est le foot. Même si nous sommes tristes, comme notre supporter, notre fan... Il faut continuer. Qu'est-ce qu'il faut changer au PSG? Ça, je ne sais pas. On doit demander au président. T'es court mais intense. Alors, tu voulais rajouter quelque chose sur Neymar, William? Ou t'as dit l'essentiel là? Je voudrais simplement que les personnes qui sont autour de moi Neymar, moi je... Non mais de toute façon, que cette équipe soit bâtie, comme tu disais, avec un plan de jeu bien précis, et c'est pour ça que on a vu un PSG différent cette année, avec les arrivées de Neymar et d'Mbappé qui ont donné beaucoup de vitesse au jeu, plus de jeu direct, comme disait Daniel, avec une ressortie de balle plus rapide, oui bien sûr, sans aucun doute. Et le fait que Neymar ne soit pas là contre Madrid, c'est plus facile de parler après le match, mais avant le match je disais la même chose, t'as pas ton meilleur joueur sur le terrain, forcément que c'est un point négatif. Après tu peux être bon collectivement, tu peux faire un bon match sans de ton toute meilleur façon joueur. Avec Neymar ou sans Neymar, il fallait que le PSG collectivement soit meilleur. Voilà. Ils l'ont pas été. Donc je ne me résignerai jamais, je veux bien noter l'absence d'un joueur dans une équipe, ça peut être notable, mais là en l'occurrence, si on la note autant, c'est parce que, en fait, tu te dis que lui, individuellement, sur certaines actions, peut-être en première mi-temps, quand ça dormait, il aurait pu accélérer. Mais si tu te dis ça, c'est que tu actes la faillite collective. Mais oui. Parce que, excusez-moi, mais encore une fois, ça passe sous silence depuis le début, mais le Real était bien plus handicapé. Kroos et Modric, ce sont des joueurs énormissime. Ouais. C'est le cœur du jeu, c'est le moteur de cette équipe. Il n'était pas là. Zidane a fait autrement. Ouais. Et collectivement, l'équipe a répondu présent. C'est et vrai. Le PSG, collectivement, aurait pu au moins proposer, mais peut-être pas se qualifier, mais proposer plus. Mmh. Et là, on se serait dit, s'il y avait eu Neymar, un coup franc, une accélération, tu l'aurais eu. Mais là, t'es loin, en fait, de te soucier du problème Neymar. Mmh. En fait, t'es méga loin de noter son absence, parce que déjà, il n'y a pas eu tout ce que l'équipe doit faire pour que la cerise sur le gâteau vienne te régaler. Ouais, mais William. Tu comprends, William? Je comprends, mais ce n'était pas possible. Tu joues quand même face au Real Madrid.
arrive un moment, il te faut un génie dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, si tu n'as pas ce génie-là qui peut te faire la différence sur certaines phases offensives, ça va être difficile, ça serait difficile pour le Paris Saint-Germain de pouvoir montrer leur qualité. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'un Neymar était très important. Malheureusement, il était blessé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu dire que sans Neymar, l'équipe du Paris Saint-Germain serait mieux collectivement. Bah, je suis désolé. Ce soir, ça n'a pas été le cas parce qu'offensivement, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire. Mais sans parler. J'aimerais qu'on accueille Romain. Non, mais juste pour finir, et ça revient à ce que Daniel disait de Saki quand il parlait de l'entraîneur, de Emery. Je suis désolé, mais quand tu n'as pas ton meilleur joueur sur le terrain, même si l'équipe a été bâtie avec Neymar et Mbappé, qu'il attendait de Mbappé qu'il fasse du Neymar, en gros, c'est ce qu'il attendait en le replaçant là à la même position que Neymar. Bon, on a vu les limites hein, de Mbappé de ce côté-là. C'est un jeune joueur, il faut qu'il progresse. Mais certains qui te disent oh, on voit Mbappé ballon d'or avant Neymar. Il a encore du boulot. Hein, ça, c'est des conneries, tous ceux qui ont dit ça. Il a encore du boulot. Ballon et c'est pas ça que pour répondre à Daniel, quand il me disait bah oui, mais Saki, il a peut-être raison. Moi, je suis désolé. Mais collectivement, oui. Mais les joueurs, ils attendaient aussi une ligne directrice. Est-ce que tu as la sensation que les joueurs n'ont pas écouté Emery aujourd'hui? T'as la sensation, toi, de ça? Non, allez, franchement. Les gars, s'il vous plaît, Romain. Romain est là. Salut, Romain. Bonsoir. Salut, Romain. Alors, on était là sur. T'as vu différentes considérations. On a entendu les joueurs. C'est intéressant. On parlait d'Emery. T'as un truc à rajouter sur le petit débat Neymar, là? Sur le petit débat Neymar, non, pas spécialement. Je pense qu'on aurait dû faire mieux sans lui, même si c'est un joueur exceptionnel, mais voilà. Alors, je te propose de passer au dossier suivant. Dans un des trois points de Daniel, tout à l'heure, il y avait « Et maintenant, ça va être fini pour Emery et pour d'autres. » Qu'est-ce qu'il faut changer quand tu te projettes, toi, Romain, sur la suite, là? Moi, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, en fait, j'ai pas envie de blâmer Emery parce que, pour moi, ça fait un an qu'il est plus aux manettes. En gros, il ne gère plus rien depuis un an dans le club parce que les joueurs passent tous direct par le président. Et c'est marrant, on a eu trois réactions ce soir. On a eu Nasser qui disait « on va parler avec les joueurs », qui est entraîneur. On a Thiago Motta qui dit « on est déçu pour le président, mais il n'est pas déçu pour l'entraîneur ». Ouais, c'est très juste, Romain, comme analyse. Et on a Thiago Silva qui dit « on est déçu aussi pour le président », et il ne parle pas de l'entraîneur. Voilà. Et ça montre la perversité de la relation qu'il y a entre le président et les joueurs. C'est insupportable. Et ce qui est mauvais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu peux pas avoir ce genre de relation. Écoute, moi, je te dis juste pour parler aujourd'hui que Emery, sa tête va être coupée là. Oui. De toute façon, il est en fin de contrat, donc va changer. Il va finir la saison. D'accord. Mais ce qu'il faut qu'il comprenne, le Paris Saint-Germain, une bonne fois pour toutes, c'est qu'au d'un moment, ce club, il doit y avoir des patrons. Des vrais patrons, avec un entraîneur qui est là, qui décide, avec son staff qui décide, et des joueurs qui se mettent au diapason. Mais et au bout d'un moment, il faut. Tant que ce sera Nasser, ça n'arrivera pas. Non, mais il est là le problème. Mais tant faut que ça changer sera. Nasser, et que... Non, moi, lui, de... on parlait des joueurs. De on parlait des joueurs. On parlait des c'est joueurs qui doit changer. Actuels, les joueurs leaders, les grands joueurs leaders, là, tu vois, qui ont été remis sur le banc, hein, et les grands joueurs leaders qui te tweetent, du moins les femmes qui tweetent des choses, parce que ça aussi, c'est la bonne ambiance collective. Donc, au bout d'un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte et peut-être accepter ces joueurs-là, allez, c'est bon, vous avez fait votre temps. Les Thiago Motta, les Thiago Silva. Thiago Silva était très bon ce soir, attention, mais c'est bon, t'as fait ton temps. Et Verratti, laisse. Verratti, c'est voilà. Vous m'enlevez tout le monde là. Verratti, Thiago Motta, Thiago Silva, Dani Alves aussi, j'imagine. Dani Alves, Dani Alves, s'il veut, il peut rester pour être en chaise roulante. Ils vont le pousser en chaise roulante, Dani Alves. Vu comment il a couru derrière les fesses de Asensio. Mais de toute façon, le nouvel entraîneur, il va faire du ménage. Oui. Non, mais on va faire du ménage si on lui donne la possibilité. Donc, on rajoute Verratti dans votre liste ? Mais est obligatoire. Ça fait 6 jours que j'assiste. De toute façon, il veut partir depuis longtemps. Di Maria. Il a changé d'agent pour partir. Il faut qu'il se casse. Tu sais, moi, j'ai. Verratti, on aurait dû le vendre se péter à 120 millions. Moi, j'irais même plus loin. Et pourtant, j'aime ce joueur. J'aime ce joueur. Mais quand je vois son attitude. Adrien Rabiot. Ce soir, quand je vois son attitude. Ah, tu veux virer Rabiot aussi ? Attends, je garde. Laissez-moi. Je continue. Commence pas, Jérôme, parce que là, on va s'énerver. Laissez-moi. Adrien Rabiot. Je suis désolé. Moi, je l'aime bien, ce joueur. Je trouve qu'il est très élégant. Il apporte des choses. Il a une progression incroyable. Voilà, pas de problème. Il s'est imposé. Mais franchement, au bout d'un moment, quand tu as ce club dans la peau, comme tu le dis, que tu as été formé au club et tout ça, son attitude ce soir, moi, je comprends pas.
Tu peux rater ça des choses. Ça peut arriver. Non. Écoute, arrête de me dire que ça peut arriver. Ça arrive au mauvais soir. Il y a un match dans une année. Ça arrive au mauvais soir, mais attends, si t'as un joueur qui malheureusement. Mais tu es complètement malade, ça peut arriver. Tu dois en avoir 10 autres qui puissent réagir positivement dans le sens. Mais là, il n'y a pas eu de compensation. Mais la pièce voilà, sans... y a pas de compensation, je suis désolé. Quel joueur, aujourd'hui, dans l'effectif de Parisien, du Paris Saint-Germain, te transmet ça, cette âme du club, cet amour du club, au d'un moment, bon, même si ça se perd, le maillot, on l'aime moins, on l'aime parce qu'il y a les chiffres sur la fiche de paye. Ok, d'accord, on le sait. Mais il n'y a pas que ça. Adrien Rabiot, il est là pourquoi ? Il a été formé au club. Il doit transmettre ça aux autres joueurs. Ça doit être lui le relais sur le terrain aujourd'hui. Je te parle pas techniquement, je te parle au niveau de l'état d'esprit. Mais quand c'est dur dans le milieu de terrain. Surtout qu'il avait dit toute la semaine qu'il était motivé comme jamais. Exactement. Mais moi quand je le vois là, c'est chier, c'est tout. Et ben, ça arrive de se chier. Alors écoute, si c'est chier. Ce soir c'était tous des chiens. Si c'est chier au bout d'un moment, et ben tous ces joueurs là. Tu pourrais le dire différemment. Tu pourrais dire il s'est. Mais j'ai pas d'autre mot. Il a paniqué ou. Au bout d'un moment, renouvelle l'effectif. Peut-être que flipette. On parlait des joueurs, tu vois, qui sont même pas rentrés, alors que l'autre, il était complètement effacé. Dani Alves, Meunier, il s'est même pas échauffé. Il s'est échauffé deux minutes. On lui a dit gentiment, viens te rasseoir. Mais Meunier, parce que, il sait qu'il faut attendre l'année prochaine. Voilà. Il va faire sa Coupe du Monde. Il sera titulaire. Mais en août. Ces joueurs-là, tu dois les avoir. Tu les as déjà dans ton effectif, donc c'est bien. Mais après, à côté de ça, tu dois reprendre et mettre la main à la poche. Alors ils ont mis 400 millions à l'été dernier. Ils sont capables de remettre sur des joueurs importants. Je te dis pas de mettre 400 millions. Alors, attention, il faut qu'ils vendent aussi. Hein. Non, mais attends, c'est pas si évident. Des joueurs là, qui, pas être simple, hein, qui vont essayer de transmettre ça aux nouveaux ou aux étrangers là, qui ne comprennent pas toujours ce que c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je pense que quand on aura retrouvé cette ambiance dans le club avec un entraîneur qui aura ses idées et qui les imposera et qui ne se fera pas avoir comme Emery quand Dani Alves décide de jouer tous les matchs et il n'ose pas le sortir parce que monsieur Dani Alves, même quand il est complètement dépassé, il reste sur le terrain. Et ben, quand il y aura un entraîneur qui mettra ses coronesses là et qui dira ben moi c'est mes idées, je vais mourir avec mes idées mais ça va être mes idées et vous allez me suivre derrière. Et ben voilà, ben ça sera allez, on continue le débat. Trouver cet ça sera pas facile. On continue le débat. William, merci. Merci à vous. Et à très bientôt dans l'after. Ça va déjà, William. T'es chez toi. En tout cas, Fred Hermel arrive. On t'invite. En plus, il y a Fred. Tu peux pas rater Fred. Fred Hermel arrive dans quelques instants. C'est monologue. Romain, merci au 32-16. 2-1 pour le Real au Parc des Princes. Qualification du Real. Il est en train de faire des sacrifices de poulet. 0-0 entre Liverpool et Porto. Qualification de Liverpool. L'after continue jusqu'à 1h du matin. On n'a pas encore fait d'évaluation précise sur tous les joueurs. On va parler aussi du Real avec Fred, bien sûr. Et on vous attend au 32-16 pour participer au débat avec nous. À tout de suite.